C'est pendant l'échauffement, hein, entre Ouais, les Russes et les il y Français, avait un puisque peu d'intox. ouais, il a failli avoir Une collision. une collision entre Victoria Sinitsina, que vous voyez ici à l'image, et Gabriela Papadakis, qui d'ailleurs lui a lancé un petit regard, l'air Ouais. de dire la patinoire elle est pas qu'à toi. Je pense que c'est Non, un petit peu ce qu'elle devait se dire. Voilà, rien de méchant, hein, bien non. évidemment. Mais il y a une petite guerre psychologique qui a commencé. Et Victoria Sinitsina et Ruslan Zyganshin seront les premiers à s'élancer dans ce quatrième et dernier groupe. On a choisi Fantôme de l'Opéra d'Andrew Lloyd Webber pour ce programme libre. Ouais, grand favori, Victoria Sinsina et Ruslan Zyganshin. À moins d'une grosse erreur, il ne devrait pas avoir trop de mal à prendre la première place au couple canadien Nicole Orford et Thomas Williams. C'est parti. Victoria Sinitsina, Ruslan Zyganshin, couple russe et Alban, on voit pas vraiment comment il ne pourrait pas prendre ces fameux 70 points.
Ça va aller bien au-delà, effectivement, ouais. de 70 points. Après, la question, c'est est-ce que le score sera suffisant pour être intouchable ? Oui, voilà, c'est ça, sur ça la question. C'est probable. Le patinage rapide, en tout cas, on a rapide, vu, hein, mais la fluidité, c'est vraiment propre, encore une fois. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas des micros sur les glaces, mais je vous assure que les cars sont légères, on n'entend aucun bruit quand ils patinent. Et ça, c'est la preuve d'un niveau technique très très élevé. Ouais, c'est une superbe fluidité sur la glace. On va revoir encore quelques images, évidemment, du passage de Victoria Sinitsina et de Ruslan Ziganchin, entraînés par Svetlana Alexeyeva, Elena Kustarova et Olga Ryabinina. Encore une fois, cette équipe Kustarova, effectivement, qui a un certain nombre d'athlètes ici et dans les championnats seniors également. Bon, c'est pas la chorégraphe la plus innovante du circuit, mais il faut lui reconnaître quand même une capacité à former techniquement ses patineurs assez impressionnante. Là, tous les éléments s'enchaînent avec fluidité. On voit l'écart bien marqué. La série Twizel, évidemment, bien réalisée par elle, mais également par lui. Sans qu'on est dans le dernier groupe, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'à part Travis Meagher ou Slan Ziganchin, c'est l'un des seuls à avoir maîtrisé les Twizel depuis le début de ce concours. Ouais. Et un très très gros coup encore une fois pour la Russie qui pourrait aller chercher sa deuxième médaille dans ces mondiaux. Ouais, on a vu Monsieur Gorshkov, président de la Fédération russe. Il n'était pas souriant hier, il n'est pas souriant aujourd'hui non plus, mais on sent qu'à l'intérieur, quand même, c'est plus confiant. Oui, là, il doit être satisfait. Voilà, 90. Il fallait 70 minimum pour prendre la première place. 90. Suffisant peut-être, là, pour être intouchable. A priori, bon, on va voir. Hein. Rien n'est pillé. Les autres n'ont pas encore patiné, mais c'est vrai que c'est un très très bon score. Un total de 153,81. Je vous rappelle que juste avant, hein, Nicole Orford et Thomas Williams, les Canadiens, étaient leaders avec 134,61. On est passé à 153 désormais pour le leader. 20 points de mieux, hein, c'est.